En religion, le président de la commission du Hajj 2017 a fait un point de presse ce lundi matin. Il explique dans l'extrait qui va suivre les difficultés liées au transport et aux préparatifs du Hajj 2017. Voici un extrait de ses propos. Nous informons nos pèlerins qu'ils ne soient pas surpris de rester 20 jours après le Hajj là-bas. Ils doivent prendre toutes leurs dispositions en augmentant leur argent de poche pour traverser cette période. Car nous avons trouvé que la date de retour de nos pèlerins est prévue pour le 25 septembre. Connaissant les mentalités de nos pèlerins, tout de suite, nous avons réagi en demandant à cette compagnie saoudienne de ramener cette date au 10 septembre. Nous nous sommes rendus au siège de cette compagnie à Riyad et écrit plusieurs correspondances au nom du comité et au nom du ministère de l'aviation civile du Tchad, mais sans suite car ils sont toujours en contact avec l'équipe sortante. Que c'est ainsi, nous avons prévu leur restauration sur une période de 20 jours, c'est-à-dire 10 jours avant le Hajj et 10 jours après le Hajj. Nous leur demandons aussi de ne pas se déverser dans l'achat des articles qui peuvent être trouvés sur place ici dans nos marchés. Nous demandons également aux pèlerins de se préparer pour le voyage, car le premier vol est prévu le 18 août 2017 et le dernier vol le 25 août 2017.